10 voitures électriques pour Chamonix, la capitale de l'alpinisme, va rouler propre et gratuitement. Ces voitures arrivent dans le cadre qui a été souhaité de du passage à la mobilité électrique de notre flotte, d'abord de VL, mais on travaille également pour regarder sur les utilitaires. C'est pas aujourd'hui qu'on recevra nos utilitaires, mais on est bien en train également de prospecter. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès de différents constructeurs. Il y a eu une vraie consultation qui a été faite. Et de cette consultation, on a eu le résultat et la proposition qui a été faite par BMW, qui est une proposition qui est assez difficile à refuser, puisque BMW nous donne ses voitures et les entretient. 10 voitures électriques BMW. En échange, la marque allemande peut bénéficier d'une visibilité et d'une communication. BMW en fait est soucieux de participer à des partenariats et des actions en fait qui mettent en avant sa marque BMW i et son modèle BMW i3 électrique pour participer en fait à la progression de l'électromobilité en France. Dans cette voiture, on utilise des matériaux recyclés, on utilise des fibres naturelles et le fait d'avoir cette flotte au sein de la municipalité et de la vallée de Chamonix, c'est quelque chose qui donne aussi de la visibilité à cette démarche qui est unique aussi dans l'industrie automobile. Ces 10 voitures électriques arrivent donc après des bus hybrides et des mulets électriques. Ce sont les voitures des services pour les employés ou les élus communaux et intercommunaux de la vallée de Chamonix. 10 véhicules aujourd'hui pour la communauté de communes, pour les mairies. On a souhaité faire en sorte également, même si le partenariat il est signé avec Chamonix, que les Ouches, Valorcine, Servoz puissent bénéficier également de cette proposition. Je rappelle que l'Office du tourisme également est équipé. Différentes entités au niveau de la communauté de communes le sont intégralement maintenant. Et c'est un pas de plus, je crois, dans la bonne direction de zéro émission, zéro carbone. Et ces véhicules se rechargent sur des bornes électriques. 8 sont dans les parkings couverts de Chamonix. 6 autres sont sur la voie publique.